Bon les gars, ça y est, je vous présente la nouvelle poisson mobile. Je vous avoue, je suis plein d'émotions. Plein d'émotions, c'est un grand rêve qui se réalise. Alors je sais que pour certains, ça peut être un peu con d'idéaliser, d'accomplir un rêve autour d'une simple voiture qui nous amène d'un point A à un point B. Mais je pense qu'aussi quand on réalise un rêve et quand c'est quelque chose de matériel comme ça, comme ceci, c'est parce que ça représente énormément de choses. Et je vais vous expliquer ça un petit peu, ma vision des choses à ce niveau-là, le pourquoi du comment, d'où ça vient. Et je pense que ça pourra peut-être en intéresser plus d'un. Et puis je pense qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui se reconnaîtront là-dedans. Mais en tout cas, voilà, voici la voiture, comme vous avez pu le voir juste avant, une M4, phase 2 2018, que je suis allé chercher, bah, comme vous avez pu le voir, en Suède. Config incroyable, BMW individual bleu Tanzanite. À l'extérieur et à l'intérieur, on a un cuir gris clair avec option carbone et cuir étendu. À l'intérieur, je trouve la config incroyable, je la trouve magnifique. Je trouve que, à la base, je voulais prendre une voiture, voilà, je vous le dis, hein, à la base, c'était soit une M2, soit une M4. Et je voulais faire un peu un tuning dessus, entre guillemets, la mettre en noir, faire 2-3 trucs dessus. Mais là, sincèrement, en termes d'extérieur, je vais rien toucher parce que la config est juste trop belle pour moi, à mes yeux. Je la trouve juste magnifique et c'est comme ça que... Enfin, c'est encore mieux que ce que je pouvais rêver. Donc, super content de vous la présenter. Pourquoi je vous la présente que maintenant? Parce que, en fait, si vous voulez, pour vous la faire courte, quand je suis allé la récupérer en Suède, sur la route du retour, en fait, ils m'avaient refait le pare-choc à l'avant. Et la peinture était un peu fraîche, le vernis, etc. Donc, en arrivant sur Bordeaux, en mettant un coup de Karcher, et vu que j'avais plein de moustiques de partout, le truc est parti, un morceau est parti, donc passage au carrossier, ensuite j'ai mis la ligne, donc là il y a la ligne, je l'ai récupéré hier, et j'ai le volant en Alcantara LED M-Performance que je vais mettre mardi, mais je me suis dit ce matin, bon allez, je vais aller faire la vidéo, j'en peux plus, j'ai envie d'aller la filmer, de faire tout ça correctement, je vais pas plus attendre, en plus que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent entre guillemets, même si bon, il y a... Rien d'exceptionnel là-dedans, mais je veux dire, j'ai quand même des gens qui partagent aussi la même passion que moi, et puis je me suis dit, allez, il est temps de partager tout ça avec tout le monde. Donc voilà, voici la bête, super content de vous la présenter. Je vais pas vous mentir, là, en deux semaines, depuis deux semaines que je l'ai, j'ai l'impression toujours d'avoir une voiture de location, c'est horrible, c'est très bizarre, mais j'arrive toujours pas à me dire que c'est ma bagnole. C'est assez dingue. Je vais vous parler un peu de l'histoire, de pourquoi c'est encore une BM, de toute cette histoire un peu autour de ces bagnoles, là. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête pour être tout fou comme ça. Bah, en fait, c'est pas compliqué, hein. Je pense que ça vient surtout de quand j'avais 13-15 ans. Il y a eu d'un seul coup, j'aimais déjà les BM, je regardais déjà... Je tournais déjà la tête à chaque fois que j'en voyais une, etc. Mais là où ça avait commencé à le plus me marquer, c'était je pense, aux alentours des 2008, quelque chose comme ça, quand il y a eu la M3 E90, enfin, la plupart du temps en E92 en coupé, et la M5 F10, pas F10, pardon, je dis une connerie, la M5 en V10, pardon, la M5 en V10, qui, et ces deux bagnoles étaient juste incroyables, quoi. Ces deux bagnoles étaient incroyables, les deux en Atmo, ça faisait un bruit de malade, enfin je veux dire, il n'y a pratiquement rien qui... Peut-être, après à l'époque il y avait le C63, enfin c'était d'autres voitures, mais voilà, chez BM c'est ça qui m'a marqué, c'est cette bestialité, c'est... Je sais pas, ces bagnoles pour moi, elles ont toujours eu un certain charisme. Puis voilà, c'était des voitures, tu les voyais déjà à l'époque en travers de partout, etc. Et... Je sais pas, après c'est bien entendu c'est une question de goût, hein. Il y en a qui sont Audi, mais l'autre Mercedes, etc. etc. Mais voilà, je sais pas, avec BM j'ai toujours eu un gros coup de cœur. Et en 2014, du coup, il y a la M4 qui est sortie. Et
Bah, c'était un truc de fou. À l'époque, quand c'est sorti, c'était vraiment un truc de malade. Parce qu'en plus, là, du coup, en termes de performance, on n'était plus sur des moteurs Atmo, on était sur des biturbos, on était sur du turbo. Et c'était incroyable, les performances. Enfin, puis même la gueule de la voiture et tout, c'était magnifique. C'était magnifique, mais à cette époque-là, je me disais pas qu'un jour j'aurais ça. Enfin, je veux dire, c'est con, hein. Pourtant, je suis quelqu'un, je me mets un objectif, hein. C'est bien de rêver, etc. Mais en fait, pour moi, c'était tellement le truc au-dessus, c'était tellement incroyable, c'était tellement, puis même, c'était tellement luxe, tellement pour moi, c'était une supercar de fou, quoi. C'était tellement une bagnole de malade que jamais je me disais, bon, je vais avoir ça un jour. Enfin, je me posais même pas la question, sincèrement. Pas, non pas que je croyais pas en moi ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'était un truc de fou, quoi. Donc les années passent et puis là voilà, bah, j'ai un ami à moi qui s'appelle Joe qui lui à l'époque dans les années 2017-2016 avait une 230i en bleu, les toutes dernières donc de 2016-2017, donc la petite sœur de la M2. Et bah, on faisait souvent des tours ensemble et il me laissait la conduire et tout. Donc déjà là j'étais tombé amoureux déjà de cette bagnole. Et on savait tous les deux, voilà, qu'il y avait la M2 qui était sortie, et on était fou amoureux de la M2 tous les deux. Et bah, lui a eu la chance de pouvoir se l'offrir en 2018, la phase 2 en Black Shadow, en noir. Et bah voilà, dès qu'il est allé la chercher en concession, le premier jour, il est venu me voir. Et moi, en fait, bah moi, ça m'a mis un gros bug. Ça, mentalement, ça m'a retourné le cerveau. Je me suis dit, un jour, je veux ça. Et j'ai tout fait, j'ai bossé comme un fou pour pouvoir un jour me l'acheter. Et c'est là qu'en 2021, donc 3 ans après, ouais, c'est ça fait 2 ans maintenant, que je me suis acheté la M2 à l'époque. Je me suis procuré la M2. Et bah voilà, là, il y a 3 semaines maintenant, je m'en suis séparé. Il était temps de la vendre et de passer à autre chose. Pourquoi je l'ai vendue? Bah, tout simplement parce que voilà, elle avait 65 000 bornes. Si je commençais à passer les 75 000, 80 000, j'allais perdre pas mal d'argent dessus, etc. Donc je me suis dit, allez, je vais la vendre et puis on va voir ce qu'on se prend après. Et moi, dans l'optique, comme je vous disais, c'était soit une M2, une M4. Je regardais aussi les C63S coupés, j'aimais beaucoup, c'est très joli. Mais voilà, BM, voilà, ça sera toujours BM dans mon âme, quoi. Enfin, ça, c'est toujours. Je kiffe, je peux pas vous expliquer, c'est comme ça, c'est quelque chose qui est dans le sang maintenant. Mais du coup, bah, j'ai vendu la M2, je commence à regarder les annonces, j'ai vu celle-là. Je m'y suis intéressé, j'ai contacté les gens qu'il fallait, etc. Et puis voilà, ça s'est fait. Je suis allé la chercher. Et elle est juste incroyable, quoi. Enfin, c'est incroyable. Puis même en termes de conduite, ça n'a strictement rien à voir avec la M2. C'est beaucoup plus bestial, c'est brut, c'est même très brut. Même à l'accélération, enfin, je veux dire, même quand vous êtes à l'arrêt, vous commencez à accélérer tout doucement, vous voyez que c'est brut, c'est bestial, c'est. Puis ça en redemande tout le temps, quand vous accélérez, ça en finit jamais, vous êtes là, vous arrivez à 7 500 tours, enfin, j'ai l'impression que les vitesses sont super longues, ça se finit jamais, je trouve ça incroyable en fait, c'est une bagnole exceptionnelle, et pour l'instant j'ai même pas encore eu le temps de tout découvrir de ce châssis, de ce moteur. Pour l'instant j'ai pas encore pu aller au fin fond de tout ça, j'ai changé les pneus hier d'ailleurs. Donc là, je pars sur des pneus neufs, c'est sympa parce que les autres pneus étaient morts. Donc là, déjà, je vais voir une autre adhérence, une autre tenue de route, je vais voir un peu comment c'est. C'est beaucoup plus traître que la M2, bien entendu, il y a beaucoup plus de couples, c'est beaucoup plus de chevaux, donc à l'arrière, je peux vous dire que ça part tout de suite. Et je pense que c'est très bien que j'ai commencé d'abord avec une M2 et que je passe une M4. Quelqu'un qui a jamais roulé de sportive et qui va passer directement sur une M4. Franchement, voilà, c'est pas donné à tout le monde de savoir piloter ça. Attention, je suis pas en train de dire du tout que je suis un pilote ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il faut y aller par étapes. Et là, c'était la bonne étape pour moi. Et en tout cas, bah voilà, je suis juste trop heureux. Je vais pas vous raconter 30 000 trucs non plus. Voilà, c'était juste histoire de vous la présenter. Je vous ai fait quelques passages. Je pense que je ferai d'autres vidéos par la suite où on verra plus un peu la tenue de route, faire un essai routier, etc. Quand j'aurai quelqu'un avec moi, une autre voiture, pourquoi pas, qui peut me filmer quand je roule, etc. Puis je me dis,
Autant faire plusieurs vidéos, je sais que ça en intéresse pas mal, donc puis moi ça me fait kiffer aussi de faire des montages, etc. par rapport à tout ça, donc je ferai d'autres vidéos. Mais voilà, je vous présente la bête. Lundi matin, donc il y a une autre vidéo déjà que j'ai déjà tournée, donc c'est l'installation de la ligne de la voiture qui est un peu spéciale. On l'a faite en equal length, ça s'appelle. Donc c'est quelque chose d'un peu spécial sur les M4, parce que si on met une ligne M4, même d'une marque, ou même si on met juste deux tubes comme j'avais sur la M2, le bruit est dégueulasse, tout simplement, ça fait un bruit de casserole. Donc là, on a fait quelque chose de spécial. Et je vous ai fait une vidéo avec le garage qui me l'a faite. Et justement, cette vidéo, ça sera une autre vidéo, mais ça va être super sympa. Ça va en intéresser plus d'un. C'est vraiment cool comme vidéo. Et lundi matin, donc là en ce moment on est samedi matin, lundi matin je retourne à ce même garage pour faire un test sur banc, la faire passer sur banc et voir combien de chevaux elle sort, parce que je suis sûr qu'elle sort plus que d'origine. De toute façon c'est connu chez les M4, ça sort beaucoup plus que d'origine. D'origine il y a 431, mais je suis sûr qu'elle sort au moins 460, c'est sûr et certain, parce que bah, j'ai fait des tests, voilà, des petites courses entre guillemets, de ligne droite avec d'autres voitures, et même des voitures qui ont beaucoup plus de chevaux que moi, et je vois qu'elles tiennent très bien, donc je pense qu'il y a beaucoup plus. Puis même moi, je le sens dans la bestialité qu'il y a, enfin, c'est un truc de malade. Donc voilà, donc une autre vidéo aussi qui sera sur ça. Je vais vous faire plusieurs vidéos, mais voilà, là c'était surtout pour vous montrer la bête, vous la présenter, partager ça avec vous. Et puis, bah, si vous avez des questions ou quoi en commentaire, surtout n'hésitez pas. Même si vous avez des propositions à me faire en termes de vidéos, des choses que vous voulez voir, des choses dont vous voulez que je parle, etc. Franchement, c'est avec grand plaisir de vous parler de ça. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais assez, comment dire, j'aimais pas trop montrer ma vie, que ce soit ma vie privée ou même des trucs de valeur comme ça, etc. C'est vrai qu'en France, c'est assez mal vu. Mais franchement, voilà, maintenant je m'en fous complètement de ce que de ce que les gens peuvent penser, pardon. Et puis je pense que c'est une passion à part entière, donc autant la partager. Je pense que c'est très important qu'on partage nos passions, ça nous fait kiffer, donc autant kiffer tous ensemble. Voilà, c'est pas du tout pour se la raconter ou quoi que ce soit, comme certains peuvent penser. Rien à voir, j'en ai rien à foutre. J'ai pas acheté ça pour les autres, pour me la raconter ou faire plaisir aux autres. C'est parce que c'est une passion, et c'est quelque chose aussi que je kiffe depuis que je suis gamin. Donc en fait, c'est un rêve aussi qui se réalise, c'est un truc de fou. Donc quoi de mieux que de pouvoir partager ça avec tout le monde. Donc voilà les petits gars. Je parle beaucoup, je sais pas combien de temps j'ai parlé, j'ai bien dû parler au moins 10 minutes là. Donc je referai une vidéo donc lundi, comme je vous ai dit, du passage au banc. Vous aurez la vidéo aussi où on fait la ligne d'échappement, etc. sur mesure. Et mardi aussi, je vais mettre le volant LED M Performance en Alcantara. Il est magnifique, je l'ai déjà, mais c'est assez compliqué de le mettre en place. Il faut quelqu'un qui le code, etc. avec la voiture. Donc c'est pas juste un truc où vous prenez le volant, vous le mettez et basta. Donc c'est assez compliqué à faire. Ça aussi, je le filmerai. Et puis voilà les gars, donc je vous dis à bientôt. Surtout, bah, si vous pouvez mettre un petit commentaire pour le référencement, un petit j'aime, n'hésitez pas à vous abonner, même vous abonner sur mon Insta, etc. Je vais essayer de poster de plus en plus de trucs sur les voitures. Bon, je vais pas devenir un spécialiste de la présentation de voitures, etc. Hein, mais de temps en temps, voilà, c'est cool, je trouve ça sympa. Et puis même si des fois il y a des gars sur Bordeaux qui veulent faire un petit tour, c'est avec plaisir. Et juste une petite dernière info. Le documentaire, parce que même si vous êtes passionné d'auto et un petit peu de body, dans le documentaire à Charlie qu'on a tourné l'été dernier, il y aura aussi pas mal de bagnoles dedans, beaucoup de M2, du drift. Et du coup, là, je suis en train de me renseigner pour le faire tourner dans un cinéma, et ça va se faire. Donc voilà, les gars, fin d'année, je pense qu'il y aura le documentaire dans un cinéma. Avec plaisir de vous partager tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai créé aussi un canal. Un channel là de diffusion sur mon Insta, n'hésitez pas à le rejoindre, parce que je mettrai des extraits des fois du coup documentaire, mais très peu, hein, vraiment très peu, parce que j'ai quand même envie de vous garder la surprise. Mais voilà les gars, bon, en tout cas je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, je sais pas quand c'est que vous allez voir ça, mais à mon avis je suis chaud, je vais monter ça de suite. Donc merci à tous, et puis bah ciao ciao, à la prochaine.